La paix soit avec vous. Que celui qui va être ordonné prêtre s'avance. Gérard Casimir. Me voici. Très cher Père évêque, la Sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère Gérard Casimir et demande que vous l'ordonniez pour la charge du presbytère. Très cher Père, savez-vous s'il a les aptitudes requises? Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'il a été jugé digne d'être ordonné. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons le diacre Gérard Casimir pour l'ordre des prêtres. Nous rendons grâce au Seigneur. Bravo, mon Dieu. Thank you.
prions pour la communauté de Miramoine. Nous prions pour les parents de notre diacre bien-aimé Casimir, Roger Casimir. Nous prions également pour Marseille Francin, qui est prêtre de l'Église à l'occasion du 2e anniversaire de son ordination. Dieu qui a ordonné ton Fils au monde, comme prêtre de l'alliance avec l'humanité, pour la sanctifier et l'offrir à ta gloire, accorde à notre Fils, notre frère, notre ami Gérard Casimir, que Jésus a choisi comme serviteur et étonnant des mystères, de recevoir ce matin l'onction sacerdotale pour travailler fidèlement à la construction de son corps, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Oh, dear Lord, Savior.
Deuxième lecture, lecture du livre des apôtres. Étienne, qui était plein de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Un jour, on vit intervenir les gens d'une synagogue, la synagogue dite des esclaves affranchis, des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir tenir tête à la sagesse et à l'Esprit Saint qui inspirait ses paroles. En écoutant tout ce qu'il disait, il s'exaspérait contre lui et grinçait des dents. Mais Étienne, rempli de l'Esprit Saint, regardait vers le ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara, « Voici que je contemple les cieux ouverts, le Fils de l'homme est debout à la droite de Dieu. » Ceux qui étaient là se bouchèrent les oreilles et se mirent à pousser de grands cris. Tous à la fois, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et commencèrent à lui jeter des pierres. Les témoins avaient mis leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s'endormit dans la mort. Parole du Seigneur. Oh.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous verrez traîner devant des gouverneurs et des rois à cause de moi, il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quant à vous, quand on vous livrera, ne vous tourmentez pas pour savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et le feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura préservé jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Très cher Monseigneur Yves Voltaire, vicaire général du diocèse, mes seigneurs les vicaires épiscopaux, révérend père recteur, curé recteur de la co-cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Miragoâne, très chers confrères dans le sacerdoce, frères et sœurs de la vie consacrée, chers diacres, chers séminaristes, chers ministres laïcs, autorités de la région, notables de Miragoâne et dignitaires de la DGI, honorable sénateur Denis Cadeau, illustre membre de la famille de l'ordinant, distingués invités en vos titres et grades, qualités et fonctions, chers paroissiens de la co-cathédrale Saint-Jean-Baptiste, chers ordinants Gérard Casimir, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint de l'onction pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ce matin, nous avons écouté cette lecture extraite du livre du prophète Isaïe, au chapitre 61, les premiers versets. En cette circonstance solennelle, notre frère bien-aimé, notre fils, notre ami Gérard Casimir, va recevoir sous peu ce matin, en l'octave de Noël et à la fête de Saint-Étienne, l'onction sacerdotale pour être ordonné presbytre dans l'église, ici, à la co-cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Miragoâne, afin de nous seconder, nous évêques, et aussi mes successeurs, dans la charge de sanctifier, d'enseigner et de gouverner le peuple saint de Dieu. C'est un événement, comme vous le savez bien, chers amis, formidable,
extraordinaire, unique et fatidique, qui s'inscrira à jamais dans les annales historiques de notre Église locale, pour lequel événement nous rendons grâce au Seigneur et remercions de tout cœur la communauté miracouanaise, les communautés néo-catéchuménales et tous les braves anciens curés de la région qui ont façonné le cœur de ce futur ordonné et qui l'ont accompagné. Aujourd'hui donc, l'ordination presbytérale du diacre Casimir reste un événement important pour l'Église. Dieu, comme il a envoyé son Messie pour une belle tâche, une noble mission, va imposer les mains, va faire à travers moi la prière consécratoire et aussi va rejoindre le diacre Gérard. Ainsi, il fera couler sur lui l'onction précieuse de l'Esprit Saint, l'onction de douceur, l'onction de puissance, l'onction de tendresse, l'onction de consolation, pour que, une fois pour toutes, notre frère bien-aimé soit configuré et assimilé au Christ Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, ce matin donc que Gérard, qui avait reçu déjà le lectorat, l'acolytat, le diaconat, va franchir une nouvelle étape dans sa vie. Il deviendra, comme je le disais tantôt, presbyteros. Il va agir désormais in persona Christi capitis, de la personne du Christ qui est tête et pasteur. Il ne uniquement aux célébrations, il pourra lui-même présider les célébrations. Comment qu'il ne pouvait pas conférer comme le sacrement que nous appelons l'Eucharistie et aussi célébrer ces sacrements au nom de l'Église. Parce que ipso facto, après son ordination, nous comptons lui donner faculté nécessaire pour exercer son ministère presbytéral. Désormais, le diacre Gérard Casimir, qui deviendra prêtre, pourra exercer le sacerdoce royal, ministériel, prophétique et presbytéral, afin de servir avec générosité, dévouement, comme il a toujours fait, don de soi, charité, humilité, engagement et ingéniosité, le peuple saint de Miragoâne et de tout le diocèse, et même partout dans le monde. L'onction qu'il va recevoir, c'est le parfum du Christ, que le Christ nous transmet. Le Christ le transmet à travers son Esprit Saint. Ce baume d'onction dont nous parle ici et maintenant le prophète Isaïe, en pénétrant l'être de Gérard, va le marquer définitivement dans sa vie. Ce sera un tournant existentiel pour lui, un tournant ontologique dans sa vie. Et il sera transformé intérieurement. Et comme Aaron, l'onction sainte qu'il va recevoir pourra impacter et influer sur sa vie. Cette onction lui sera appliquée pour que lui, il respire désormais le parfum, la bonne odeur du Christ, et pour permettre aux prêtres, pour permettre au peuple de respirer à son tour le baume du parfum du Christ, qui est un baume d'amour, baume de tendresse, de compassion, de miséricorde et de consolation. Les mains de notre frère seront ouintes ce matin pour pouvoir toucher les blessures de ce monde, les souffrances de notre humanité, pour guérir les plaies de notre corps social, pour soulager les souffrances de notre population au cœur brisé et à l'âme morcelée par la tragédie que notre pays vit depuis bien longtemps. Mais aussi ces mains seront ouintes pour changer les amertumes amères des affligés en source de joie, pour purifier les mœurs corrompues et dégradées, pour réconforter les malades et maîtriser les forces du mal. Ainsi, il pourra faire reluire les visages des victimes innocentes de la vie, des crucifiés de l'histoire,
des blessés de notre milieu et les damnés de notre terre. Le don de l'onction sacerdotale sacramentelle imprimera en lui ce que nous appelons un caractère de l'ordre mystique, caractère ontologique définitif, indélébile et irréversible. Tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est la raison pour laquelle l'Église catholique n'a jamais été ordonnée, puisse eux-mêmes ordonner d'autres. Dans l'Église, il y a la succession apostolique qui remonte à Pierre lui-même, à Jésus-Christ, aux apôtres. Ainsi, seuls ceux qui ont été d'abord investis de l'onction du Christ peuvent eux-mêmes donner cette onction à d'autres. Cela signifie que notre frère vivra un changement radical, total, intégral et holistique dans les profondeurs de sa vie. Il pourra donc accueillir dans son cœur, à travers son onction, la clameur de ce peuple en souffrance pour porter tout cela au Seigneur pour intercéder en sa faveur. Il pourra aussi oindre le peuple de Dieu à travers la parole. Ce n'est pas une parole onctueuse, tout simplement pour bien parler. À travers la célébration des sacrements qu'il aura célébrés avec majesté, dignité, respect et aussi beaucoup de profondeur. En même temps, il pourra, à travers le service des pauvres et la praxis de sa vie, il pourra aider la communauté à se réorienter vers Dieu. Il arrivera à conférer l'huile de la paix, l'huile de la joie, l'onction de l'amour, l'onction de la fraternité, de la liberté, de la vérité à tous et à toutes, pour qu'il soit toujours un vrai ministre de l'Esprit, serviteur saint de Dieu, consacré du Seigneur. Cette onction qu'il va recevoir, Monseigneur Oscar Romero, Saint Oscar Romero, martyr du Salvador, nous dit, une fois qu'il sera investi de cette onction, il devra participer au pouvoir divin de faire venir Dieu à l'autel, de remettre les péchés, de pardonner comme l'a fait le diacre Étienne, de pacifier les cœurs malades, d'intervenir auprès des pauvres à travers des œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle, et aussi il pourra ouvrir des portes d'espérance pour ses frères et sœurs désespérés et désenchantés dans l'histoire. L'onction que notre frère bien-aimé va recevoir fera de lui un presbytre témoin, embaumé de l'huile de guérison, de l'huile de rédemption, de consolation, de salut et de résurrection, capable de faire respirer aux autres la bonne odeur du Christ. Cette onction marquera sa vie. 2 Corinthiens chapitre 1er verset 21. Celui qui nous enfermit et qui nous régénère, c'est lui le Christ. Et lui nous a donné l'onction. Il l'a reçu de Dieu. Et cela marquera notre vie comme un sceau. Il a mis en nous, dans nos cœurs, les ors de l'Esprit Saint. 2 Corinthiens chapitre 1er verset 21. Ainsi, le diacre Gérard devenu prêtre portera ce trésor dans des vases d'argile de terre, afin que le resplendissement, le rayonnement ne vienne pas de lui, mais de Dieu. La figure du presbytre, c'est la figure de l'ancien. Le presbytéros en grec signifie celui qui est vieux, qui est âgé, qui est sage, celui qui inspire le respect, celui vers qui on doit être respectueux. Le presbytéros qu'il sera, à partir de cette onction, il pourra vivre son ministère avec dignité, avec force, avec rayonnement.
c'est une fonction de personne responsable et de conseiller. La première lettre de Pierre au chapitre 5e, le verset 2 nous dit « Soyez des pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur ce troupeau, non pas par contrainte, mais de plein gré. » Ainsi, à partir de l'onction reçue, le diacre Gérard devenu prêtre pourra être constitué un ancien parmi nous. Un ancien non pas seulement à cause de l'âge, à cause de ses diverses expériences, mais un ancien qui a été à son tour consacré et qui a reçu l'onction. Il ne sera pas un religieux salarié ou un fonctionnaire du culte, mais il sera un ami de Jésus sur qui l'Église a imposé les mains et qui a reçu l'onction même du Christ. Ainsi, nous pouvons comprendre que la Bible nous parle de ces 70 anciens dans le livre des Nombres, au chapitre 11e. Ils étaient membres de collège, ils ont été choisis pour un service spirituel et disciplinaire, mais aussi ils ont été choisis pour aider dans l'administration des biens matériels et de la charité de l'Église. Le diacre Gérard, en devenant prêtre ce matin, va être constitué, institué, leader communautaire ancien, placé quelque part pour mettre de l'ordre, pour aider l'évêque, seconder l'évêque dans son action. Il ne sera pas seulement un hiérus qui fait partie de la hiérarchie, mais il sera désormais un homme ancien, sage, qui pourra soutenir et aider l'Église. C'est ce que d'ailleurs, depuis sa grande conversion qu'il a toujours faite, nous savons que le diacre Casimir, Gérard Casimir, a eu un parcours formidable. Il est revenu de très loin. Il a fait sa formation chez les frères et après il a été au lycée. Terminé sa formation, il a étudié la comptabilité à l'université de Port-au-Prince. Et après coup, il est devenu, après avoir occupé différentes fonctions, un des responsables, le responsable de la DGI de Miragoâne. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a profité pour faire une formation en droit à l'école de droit de l'Église. Et il a terminé sa formation, puis actuellement, après toutes les autres formations qu'il a reçues, parce que avant d'être ordonné diacre, il lui avait demandé de se former à l'Université Notre-Dame, où il a passé 4 ans de formation à l'Institut d'évangélisation de l'Université Notre-Dame. Et après coup, il s'est inscrit, parce que c'est un homme qui aime apporter le réconfort, la consolation, il s'est inscrit à l'école infirmière de Miragoâne. Cela signifie cet homme, il a beaucoup de formation, donc il ne se fait pas prêtre, il ne demande pas à l'évêque de devenir prêtre, ni pour avoir un salaire, ni parce qu'il ne sait quoi faire. C'est un homme qui aime donner ce qu'il a, c'est un homme qui déjà a une forme d'onction en lui. Il demande au Seigneur de confirmer, de lui donner en plénitude, en force cette onction, et en même temps, il demande au Seigneur qu'il puisse continuer à travailler comme un presbytère ancien, irréprochable, stable, un homme moins, un homme humble et doux, un homme qui a la force de l'ancien et l'onction que transmettent les anciens. L'histoire de la vocation du diacre Casimir est une histoire belle qui nous attire, une histoire qui nous montre que le Seigneur veut appeler quelqu'un. Lui, le Seigneur, il écrit droit sur la ligne courbe. Il sait au moment où il doit intervenir. Le parfum d'amour et l'onction de la mission pourront en quelque sorte aider le diacre Casimir le plus près à conclure, lancer l'alliage actaïs. Mon sort est désormais scellé. Je suis complètement entre tes mains, Seigneur. In magnus tuas domine commando spiritum meum. Donc, entre tes mains, Seigneur, j'abandonne ma vie, je laisse mon esprit, je remets mon esprit. Le ministère qu'il va exercer sera donc une onction, non une fonction. Et il pourra aider beaucoup à découvrir que nous sommes heureux,
quand nous nous laissons porter par l'onction de Dieu et quand nous pouvons partager cette onction avec d'autres. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte, un peuple choisi, une race mise à part. Exode chapitre 19, versets 3 à 8. C'est ce que le Seigneur avait dit à Moïse. Tout ce qu'il y a sur cette terre, c'est pour vous. Mais vous, vous êtes pour moi une ségoula, c'est-à-dire un trésor précieux que j'ai mis à part. Désormais, tu es le peuple, oui, un peuple mis à part. Le ministère qu'il exercera dans l'Église pourra faire couler, répandre la bonne odeur du Christ à ses frères et sœurs. Le parfum de la bonne odeur sera déposé en lui. Et comme cette femme de la maison de Simon avait accepté de renverser le vase d'albâtre pour mettre son parfum sur le pied de Jésus, notre frère bien-aimé pourra lui aussi répandre à partir de son cœur le parfum du Christ, à partir de son enseignement le parfum du Christ, à partir de la célébration des sacrements le parfum du Christ, mais aussi à travers le service des pauvres qu'il a toujours effectué là où il est. Ce parfum de bonne odeur doit circuler de la maison de l'Église, mais aussi de la maison commune qu'est notre région, qu'est notre pays, et de la maison, je dirais, que nous avons tous, qui est la création, un parfum pour une vie éternelle, un parfum d'amour qui ne passera pas. L'onction rendra docile notre frère à l'esprit. L'onction lui donnera la force et le portera à donner sa vie en don à notre Dieu et au peuple. Sans cette onction, le diacre Gérard ne pourra pas exercer son ministère. L'onction imprégnera sa vie, puisqu'il va devenir prêtre non pas comme chef d'entreprise, comme une société politique, comme une organisation philanthropique ou humanitaire, ou comme une ONG. L'onction qu'il va recevoir l'instituera dans l'Église comme prêtre oui pour pouvoir rencontrer le peuple. En d'autres termes, frères et sœurs, il sera une personne oui capable de guider, de gouverner, d'animer, de sanctifier, d'enseigner, pour offrir la caresse et la tendresse de Dieu à ses frères et sœurs. On connaît tous la douceur de cet homme. Cette douceur sera désormais habitée par une onction qui est plus forte qu'une douceur purement humaine. Ainsi, l'onction qu'il portait déjà en lui deviendra une prête à verser même le sang s'il le faut pour rester fidèle au Christ comme l'a fait Étienne. Le texte que nous avons écouté des Actes des Apôtres, en nous parlant d'Étienne, nous dit qu'Étienne était rempli de l'Esprit Saint et Étienne n'avait plus peur de rien. Il s'est identifié au Christ et il a accepté, tout rempli de l'Esprit Saint, de contempler la présence du Christ ressuscité dans les cieux. Et il a dit au Christ, entre tes mains, je remets mon esprit. Enlève la peur, la timidité, nous donne une puissance, de l'audace, et ainsi nous pouvons accomplir notre mission, non pas parce que nous sommes forts de par nous-mêmes, mais parce que nous sommes habités par l'onction de l'Esprit. Le Seigneur Jésus, dans le document sur la vie des prêtres presbytéraux ou moines du Concile Vatican II, le Père, puisque le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, fait participer tout son corps mystique à l'onction et à la vie nouvelle. Jean chapitre 10, verset 36, Concile Vatican II, presbytéraux ordinis. Le sacerdoce du presbyte, eh bien, lui donnera ce caractère particulier d'un homme oué pour Dieu, pour son peuple, pour la mission. Ainsi, comme Jésus de Nazareth, le diacre Casimir deviendra prêtre, recevra cette onction spirituelle que nous implorons, que nous allons implorer tout à l'heure dans le Veni Creator, quand nous aurons chanté Unctio Spiritualis,
spiritualis unctio. Cette onction spirituelle, nous dit Saint Augustin, est ce dont nous avons besoin pour être forts dans la mission. Saint Bernard affirme, seule l'onction de l'âme peut dicter, eh bien, au cœur de l'homme consacré, de la femme consacrée, le cantique d'amour du Seigneur. L'huile de l'onction, l'huile de l'intériorité, nous dit Saint Bonaventure, cette huile nous aide nous-mêmes à communiquer la vie nouvelle de Dieu à notre peuple. L'onction parle de la douceur de Dieu. L'onction nous dit que Dieu ne veut pas que nous soyons des êtres humains désagréables, serviles, des êtres humains confus. Mais Dieu veut plutôt que nous inspirions, que nous poussions les autres à embrasser l'onction de vie dans l'esprit. C'est pourquoi je vais terminer en imposant ce matin les mains et en passant l'onction sur les mains de notre frère bien-aimé qui va devenir prêtre. Nous pouvons dire qu'il va aussi accomplir des actions, pas onctueuses, mais des actions remplies d'onction. Il va aussi, avant de prendre des décisions, avant de procéder à des choses dans l'Église, avant même de faire son homélie, avant même de préparer un document, avant même de décider avec des commissions, il va toujours dans la prière implorer l'Esprit Saint pour pouvoir être troué chaque jour à nouveau de manière à prendre des décisions justes, équitables, bonnes, des décisions sages. L'onction toujours doit nous émouvoir, doit traverser. La fatigue, la nervosité, l'ambiguïté, la confusion, la peur, la suspicion, l'angoisse et la timidité. Celui qui est loin, même s'il ne veut pas le montrer, le peuple le découvre. Non pas seulement en parlant, mais à travers sa vie qui se concentre, qui se centre sur le Christ, puisqu'il aide à respirer une certaine joie, une certaine sérénité, une simplicité de vie, eh bien, l'imprègne. Il est un homme, ou une femme dans ce cas, dans d'autres cas, un homme calme, quelqu'un qui a de l'autorité. Comme quand le Christ parlait, dans l'évangile de Marc au chapitre 1er, on nous a dit, il parlait non pas comme les scribes, mais il parlait avec autorité, autoritas. Cela signifie, il était digne de foi, digne de confiance, il était crédible parce que ce qu'il disait correspondait à ce que Dieu voulait communiquer à l'humanité. Saint Paul nous dit que Dieu répand dans tout lieu, par nous, le parfum de sa connaissance. Quand nous sommes bien, nous, les intendants et ministres de Dieu, nous devons faire circuler au milieu de nous la bonne odeur du Christ. 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 15. Le bon parfum du Christ dans le monde, voilà ce qu'est le prêtre. Père, c'est mon ça, qui a côté le passé, qui a fait parfum, mon Dieu, et bien vivre dans le cœur de tout le monde. Padre Pio, de Pietralcina, à San Giovanni Rotondo, où j'ai été, Padre Pio qui est un grand saint dans l'Église. Non seulement, quand les gens allaient le voir, ils sentaient l'odeur du parfum au niveau spirituel, mais selon les expériences, je n'avais pas fait cette expérience puisque quand Dieu était à San Giovanni Rotondo, il était déjà mort. Mais les gens qui m'ont précédé, beaucoup ont dit, parfois on arrivait là, on sentait vraiment, concrètement, l'odeur du parfum. Eh bien, ça arrive que les saints montrent cela dans leur vie. Nous-mêmes, nous sommes capables de des roses en dedans nous. Nous sommes capables de parfum, mon Dieu, dans la vie, nous. La vie, la grâce l'a mené. La vie, Jésus-Christ, qui est suscité pour nous. Désormais, nous sommes capables d'attirer le monde par parfum, ça. C'est pour parfum matériel, n'a pas mettre. Pas mettre parfum. Mais son parfum qui habite que nous, dans nous, profondeur la vie, nous. Et parfum, ça, après des mondes qui vont côté nous, respirer, et bien, rêver, mon Dieu, bien pour nous. Père, c'est ça lié. Si l'onction perd son odeur, dit Saint Paul, eh bien, à quoi nous pourrions, avec quoi pourrions-nous remplacer l'onction? Si l'onction s'abîme, se transforme en
son contraire, en odeur pestilentielle, au lieu d'attirer les gens vers le Christ, l'odeur va éloigner de lui le peuple de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, très cher fils Gérard, investi de l'onction du Christ, tu es appelé à répandre le parfum de sa bonne odeur partout. Nous demandons pour toi la grâce d'être comme Étienne, complètement rempli de ce parfum. Que l'odeur du troupeau, comme nous dit le pape, rentre en toi, pour que tu puisses être complètement marqué par l'odeur même du troupeau, à travers le service des malades, à travers l'accompagnement des gens qui le demandent, à travers le sacrement de la réconciliation, à travers la célébration de l'Eucharistie et des autres sacrements. Que l'autel, là où tu auras célébré, pas seulement la première messe, mais toutes les messes de ta vie, que cet autel soit un lieu de bonne odeur, de parfum du Seigneur, un lieu d'onction pour que, à jamais dans l'Église, l'onction ne cesse et que l'onction puisse monter vers le ciel. Que nos prières soient des prières ouïes par notre foi, notre espérance et notre charité. Et que la bonne odeur du Christ s'irradie en toi et rayonne dans ton cœur et sur le visage, sur ton visage. Que Dieu te bénisse, que cette communauté de Miragoâne qui est tellement enthousiaste de te voir après ton long parcours de venir prêtre dans l'Église, que tu restes toujours la fierté de cette communauté et que tu as toujours dit que tu es un mythe, un garçon total capital qui va bon Dieu la vie, Nathalie. Bravo, Boudia Clark, que bon Dieu t'a donné la vie. Seigneur, dans la salle pour vous vite. La demandé que vous nous mettez nos debout pour nous chanter l'hymne à l'Esprit Saint, Veni Creator Spiritus. Yeah.
l'Église catholique, Léon Diacre a ordonné paix, faut le déclarer publiquement, librement, devant l'évêque là, à toute assemblée, intention bien pour recevoir charge presbytérale là. C'est ça, Diacre Gérald Casimir, pour le faire courir dans un dialogue avec là, libéral engagé. Fils bien-aimé Gérard, avant d'être ordonné prêtre dans l'Église, il convient que tu déclares devant l'Assemblée ta ferme intention de recevoir cette charge. Veux-tu devenir prêtre, collaborateur de l'évêque dans le sacerdoce, pour servir et garder sans relâche le peuple saint de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Je le veux. Veux-tu, frère bien-aimé, accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole, en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Veux-tu, frère bien-aimé, célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple saint? Oui, je le veux. Veux-tu implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui te sera confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière? Oui, je le veux. Veux-tu, fils bien-aimé, de jour en jour, s'unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père, en victime sans tâche, et te consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Gérard, promets-tu de vivre en communion avec moi, ton évêque, et mes successeurs, dans le respect et l'obéissance? Oui, je le promets. Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Amen. Au diable Gérard Casimir, montrer comment les vrais abandonner la conduite, il va le coucher à terre. Et nous, même, bon assemblée, nous allons mettre nous à genoux pour nous demander toute cette financière-là pour intercéder. Frères et sœurs bien-aimés, avec tous les saints du ciel qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu, Gérard, qu'il a choisi comme prêtre, demandons-lui de répandre sur lui les dons de son Esprit Saint. Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
Seigneur, de le bénir et de le sanctifier. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de le bénir, de le sanctifier et de le consacrer. Que nous te présentons ce matin pour qu'il soit consacré. Assure-lui toujours la richesse de ta grâce. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Sacramentellement, l'imposition des mains, son geste d'envoi en mission. L'ordination, j'ai ça. Donc, son monde qui a abandonné, c'est ça, Monseigneur Dumas, qui a fait courir là. Et toute peine qui dans la cérémonie, il va faire même chose. J'ai ça, il va suivre pour la prière, dans le rituel d'ordination, dans l'église là, que vous voulez la prière conséquente.
Sois avec nous, Seigneur, Père très saint. Sois avec nous, Dieu éternel et tout-puissant. Toi qui fonds de la dignité de la personne humaine et qui répartis toute grâce, toi la source de toute vie et de toute croissance. Pour former le peuple sacerdotal, tu suscites en lui, par la force de l'Esprit Saint, et selon les divers ordres, les ministres de Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Déjà dans la première alliance, des fonctions sacrées préparaient les ministères à venir. Tu avais mis à la tête du peuple Moïse et Aaron, chargés de le conduire et de le sanctifier. Tu avais aussi choisi des hommes de notre ordre et de notre rang pour les seconder dans leurs tâches. C'est ainsi que, pendant la marche au désert, tu as communiqué l'Esprit donné à Moïse aux 70 hommes pleins de sagesse qui devaient l'aider à gouverner ton peuple. C'est ainsi que tu as étendu aux fils d'Aaron la consécration que leur père avait reçue pour que des prêtres selon la loi soient chargés d'offrir les sacrifices qui étaient l'ébauche des biens à venir. Mais en ces temps qui sont les derniers, Père très saint, tu as envoyé dans le monde ton Fils Jésus, l'apôtre et le grand prêtre que notre foi confesse. Par l'Esprit Saint, il s'est offert lui-même à toi comme une victime sans tâche. Il a fait participer à sa mission ses apôtres consacrés de la vérité et tu leur as donné les compagnons pour que l'œuvre du salut soit annoncée et accomplie dans le monde entier. Aujourd'hui encore, Seigneur, viens en aide à notre faiblesse. Accorde-nous les coopérateurs dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce apostolique. Nous t'en prions, Père tout-puissant, donne à ton serviteur Gérard Casimir d'entrer désormais dans l'ordre des prêtres. Répose une nouvelle fois au plus beau fond de lui-même l'Esprit de sainteté qui reçoit de toi, Seigneur, la charge de seconder l'ordre épiscopal, qui l'incite à la pureté des mœurs par l'exemple de sa conduite, qu'il soit un vrai collaborateur de l'évêque pour que le message de l'Évangile, par sa prédication et avec la grâce de l'Esprit Saint, porte du fruit dans les cœurs et parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'il soit avec nous un fidèle étendant de tes mystères pour que ton peuple soit régénéré par le bain de la nouvelle naissance et reprenne des forces à ton autel, pour que les pécheurs soient réconciliés et les malades relevés. En communion avec nous, Seigneur, qu'il implante ta miséricorde pour le peuple qui lui est confié et pour l'humanité entière. Alors, toutes les nations rassemblées dans le Christ seront transformées en l'unique peuple saint qui t'appartient et qui trouvera son achèvement dans ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vient et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. En bas de bravo pour mon Dieu qui fait le cadeau de nous faire ça dans le monde. Prenez là son beau-père, je vais l'appuyer avec étoile presbytérale là, avec chasuble, pour montrer comment il va exercer le ministère comme père, sous direction évêque là, dans la fonction enseigner, gouverner et sanctifier. Thank you.
là, Monseigneur Dumas, dans le passé, 1500 ans, nous blâmons nouveau père pour une force de l'Esprit Saint, pour être capable d'exercer le ministère comme père. Frère Guilherme, prêtre de l'Église, Casimir Gérard, que le Seigneur Jésus crie lui que le Père a consacré par l'onction de l'Esprit Saint et rempli de puissance, te fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Non, mais l'évêque là, nouveau Père va le recevoir, Père avec Dieu, pour signifier depuis aujourd'hui. Mission commencée particulièrement dans célébrer la messe ou sanctification peuple bon Dieu. Frère bien-aimé, reçois l'offrande du peuple saint de Dieu pour la présenter à Dieu lui-même, inconscient de ce que tu feras. Imite dans ta vie ce que tu accompliras par sa rite et conforme-toi au mystère de la croix du Seigneur. Pour montrer comment mon Seigneur Dieu a presbyté Gomni, content accueilli, nouveau père, de voir le courrier là et un baiser fraternel. Yeah.
prions ensemble, frères et sœurs bien-aimés, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne à tes prêtres d'amener le service de ton autel et celui de ton peuple, aide le nouveau prêtre Gérard Casimir, par la grâce de cette Eucharistie, à t'offrir le sacrifice que tu attends de tes serviteurs et qui puisse porter dans ton Église un fruit qui demeure toujours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Thank you.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit, tu m'as trahi là, Jésus, grand-père, les au merci, les bénis, les cassés par les partisans, les tiens, pour manger la dame tout, réellement fait, ça c'est comme ma paille pour nous. Même j'entends le lever manger, libre en calice, l'étonner et au merci, les bénir, les passer par les baptisants, les tirer. Oh, où est la dame? Ça c'est sans l'autre contraire qui va là tout le temps, c'est sans qui prend pour les boulons à cause de bon pour pardonner péché. Fais ça pour nous songer. Allons, belle merveille, nous pas qu'à comprendre, ni même quoi. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et aide-nous à reconnaître celui de ton Fils qui nous rétablit dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans l'Église. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres, les martyrs, Sainte Anne, Saint Jean-Baptiste et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi
et dans ce monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Pierre-André Dumas, les prêtres et notre frère, confrère Gérard Casimir qui vient d'être ordonné prêtre, les autres prêtres et les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la voiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes nous au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous avons l'appui du Sauveur et selon son commandement d'amour, nous osons chanter et prier. Papa, donc, qui dans le ciel, c'est pour moi l'enlever au Jésus-Christ, notre Sauveur. Et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous.
la fête. Heureux êtes-vous ce matin d'être les invités au repas d'amour de Dieu, le péché du monde. Seigneur, je me suis bâti de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent tous pour la vie éternelle. Amen.
Son Excellence, Monseigneur. Chers diacres, chers séminaristes, autorités civiles, policières et judiciaires, religieux et religieuses, chers parents, chers amis, frères et sœurs bien-aimés, pour toute la communauté, aujourd'hui c'est fête, jour de joie et mon Dieu, toi qui me relèves. Seigneur, je suis fier de vous. Merci pour votre confiance placée en moi, Seigneur. Marie, ma mère, à vous, bienheureuse Vierge, Mère de Dieu, à tous les saints du ciel, aux âmes du purgatoire, je vous dis un grand merci. Son Excellence, Monseigneur Pierre-André Dumas, vous êtes le représentant de Dieu dans le diocèse. Je vous remercie pour avoir laissé parler en vous l'Esprit Saint, pour me faire prêtre, pour son service et pour son Église. Merci, merci beaucoup, Monseigneur. Je vous serai très mes chers amis, mes chers frères, est un don que Dieu a fait à l'Église. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Et le Seigneur a passé par le Seigneur Dumas pour faire ce grand cadeau à la communauté miraguanaise et à toute l'Église. Bravo pour votre don. Je veux remercier tous les prêtres du diocèse. Diocèse de la Sarthe, je ne veux pas faire de personnalité pour ne pas être trop long. C'est réservé plutôt au jour de la première messe le 8 janvier 2023, ici à la cathédrale. Donc vous êtes déjà tous invités. À 10h à M. Du diocèse d'Écaille et de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Un grand merci à mes formateurs, les professeurs de l'Institut pastoral d'évangélisation et de théologie affiliés à la faculté de théologie de Lyon. Le révérend Père Harold, le révérend Père Beaublanc, Monseigneur Saint-Hubert, le révérend Père Patrick, et merci à ces leaders, les fatigables chauffeurs, celui qui toujours mène nous, et Notre-Dame, pour nous capables d'aller dans le monde. Ici, Charles Gros, c'est toujours disposé pour les conduire. Pour nous, moi-même, le diable pascal et religieux, c'est le bassin de Diario, pour nous capables d'aller dans le monde théologique. Notre-Dame, merci les religieux, les religieuses, les petites sœurs de Jésus aussi, les sœurs de l'Étendue, merci beaucoup. Je remercie la chorale, madame, Cousine. Tu as des prix. Je remercie Madame Edith, la sacristine. Merci à tous ceux et celles qui ont donné leur participation d'une façon quelconque. Mes chers parents,
Je vous en remercie. Merci pour tout sacrifice que vous faites. Il va là, mais vous voyez l'important, et vous voyez la bassiste, tout le bagaille. Donc, maman me dit merci. Moi, je dis, tout le parent, tout le merci. Pour le Révérend Pierre Junior, Pierre Claude, Pierre Wesley, Pierre Francky, mon conseiller, Pierre Robinson, Pierre Beau, Pierre Jude, Pierre Chadi, Pierre Delma, Pierre Marie, Pierre Musso, Pierre Gounache. Et nous n'avons pas besoin de faire ça, nous devons nous conseiller, nous n'avons pas cité tout le temps, nous disons ça. C'est nous tous qui n'en peur. Moi-même, je ne trouve pas assez de mots pour vous remercier. Comme vous le savez, tout discours est fatigant et on ne peut jamais tout dire. On dit souvent que la reconnaissance est la plus belle fleur qui jaillit de l'âme. Monseigneur, je vous suis très reconnaissant et vous aussi, mes brefs, mes frères, mes amis, pour avoir fait le déplacement afin de m'apporter vos soutiens fraternels et amicaux. Merci, 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 merci encore. Mes chers pères, Wesley Jean-Charles, le recteur et curé de la cathédrale de Miragoâne, le seigneur le vicaire et biscopo, chers mon frère prêtre, spécialement nos amis prêtres des Caïques qui sont venus participer à cette célébration, cette cérémonie d'ordination sacerdotale. Au père Gérard Limandello pour nous accompagner.
Un gros bravo pour Dieu dans celle-là. Bonne fête pour elle à l'automne.